Mishkan avec les Kalashim, et le Midrash Rabba il ramène là-bas. Passer ta Kalashim la Mishkan, alors dirti bisbi o atse Hashem, arze lebanon asher nata. הרבה בריון ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולא היה עולם ראוי להשתמש בהם, בגנזן, הקדוש ברוך הוא מן העולם. וזה, זה אור שנברא ביום ראשון, למר ביהודה בר סימון, אור שנברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועזובו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדורו של אנוש, ובדור המבול, ובדור הפלגה, שמעשה מקולקלים, עמד בגנזו. מהם שנאמר וימנע מרשעים עולם. ולמה ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא שנאמר אור זרוע לצדיק. ראינו רבן מדרש חווה כמו לעולם ילקחי דקרסיון עולמון. אלא אם דקרסיון עצומות זה לא אור הגנוז. אור הגנוז זה כבר? זה לא אור אבק לכן תות לקרסיון אקזיסט. תות שוס כבורי אותו דבו. נקזיסט כגרס אור הגנוז. מנתת לא פה אקזיסטה כפסקי יהיה אור qui lui permet d'exister. Un homme n'existe parce qu'il y a un or, une lumière qui permet d'exister. Chaque chose dans le monde n'existe que par rapport à la lumière de la création, qui s'appelle le Or Ein Sof. Le Or Ein Sof qu'on appelle le Or Haganous. Sa lumière est à l'origine de toute la création. Simplement, pour l'Orlam, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a matérialisé cette lumière au maximum, jusqu'à ce qu'elle a pris une forme matérielle. Et c'est devenu un lion, c'est devenu un éléphant, c'est devenu une table, c'est devenu un truc comme ça. Maintenant, le Zohar, il dit là-bas, comment la lumière d'Hachem devient une shulchan, comment elle devient une table. Pachout, Hachem, il prend les lettres. Shin, Lamed, Het, Vav, Nur, Kel, Shulchan. Qu'est-ce qui se passe? Le Or Hachem s'habille dans les lettres shulchan, et tu donnes une shulchan. Comme ça, comme c'est dit le Zohar, ma ville. C'est impressionnant, vous savez. Ça veut dire, c'est Itlap Shuta Orot, Beto Otsio de la Torah. Le Or Mitlavesh, il s'habille dans les lettres de la Torah, et ça te donne Adam. Tu as pris Aleph, Dalemet, Dalet, même, hop, Adam, il sort Adam. Donc ça donne la mitzvah du Adam. C'est qu'en fait, c'est le or qui s'habille dans les lettres. Il y avait mot. Maintenant, ce or-là, okay, était visible. Il était visible à la création du monde. Donc voyez l'or. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait que Adam Arishon, avec cette lumière, il pouvait voir ma mâche d'un bout à l'autre du monde. Il pouvait voir le Kisakavod, il levait les yeux au ciel, il voyait le Kisakavod, il voyait le Malachim, il voyait tout ce qui se passe là-haut. Il regardait vers le bas, il voyait le théorème là-bas. Il regardait en avant, il regardait la fin du temps, il regardait le Mashiach, l'avenue du Mashiach et tout. C'est, il voyait dans le temps, avec ses yeux. C'est-à-dire quoi? Ça lui donnait une vision infinie, une vision illimitée. Illimitée, même les montagnes ne le gênaient pas pour voir. Tu mets une montagne de haut, il voit à travers la montagne. C'est qu'il n'y avait rien qui l'empêchait de voir ce qui se passe. Il a vu Abraham, Israël, puis encore. Il a vu la fin de génération, il a vu Néri Yosef, il a vu tout ce qui se passait jusqu'à la fin des temps. Il y avait quoi? Maintenant, bon, le Rolam, il a vu quoi? Que cette lumière-là, il ne faut pas la laisser. Pourquoi? Parce que Hachem a vu qu'il va y avoir dans la Plaga, dans Enoch, dans la Maboul, toutes ces générations de Rechaïm, qui a de Shalom, ils vont utiliser cette lumière et ils vont faire du mal avec. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ganzo. Il était Golezota. La Mesota, là, a-t-il l'avoue que quand maintenant il y aura le Gan Eden, il y aura le Olam Haba, Orzal Wa La Tzadik. Orzal Wa La Tzadik, c'est quoi? C'est le Or que Hachem a gardé de côté, qui sera Zaroua la Tzadik, qui va éclairer au Tzadikim. Les Tzadikim pourront profiter de ça à la fin des temps. Voilà ce qu'il dit le Midrash. Maintenant, le Midrash continue là-bas. Il demande, et l'or aussi, les Chora, il aurait fallu le cacher aussi. Il n'aurait pas fallu le dévoiler dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on mettait l'or représente la bouteille, Kabiachol, l'essence et la richesse du matériel. Et ça aussi, il fallait le cacher. Et là-bas, le Midrash, il répond, pourquoi pour l'Olam, il n'a pas caché l'or? On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire l'essence du matériel. Pourquoi il n'a pas caché? Là-bas c'est marqué Mishum Kavod Shel HaKadosh Baruch Hu. À cause du Kavod d'Hachem, que l'or doit exister. Pourquoi il doit exister l'or d'Hachem pour le Kavod d'Hachem? Pour faire le Mizbéa, pour faire le Melot HaZahav, pour faire le Shulchan HaZahav. Il y a des ustensiles qui doivent mettre en or dans le Mishkan. Ouais, pour le Zekeli Vanveu. Et à cause de ce Kavod d'Hachem, qu'il fallait faire des ustensiles en or, c'est pour ça que Hachem n'a pas caché l'or. Il y avait moi. C'est-à-dire quoi? Il se pose la même question dans le Midrash qu'on a posé pour le or. Arrête le or, Ganous Boukachim l'a caché, parce qu'il a vu que ça va dégrader l'humanité, parce qu'il va y avoir des Rishaïm qui vont mal s'en servir. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a caché. Il a mis le or pour les Tzadikim l'a fait là-bas. L'or, les Chora, ça va dégrader l'humanité aussi, parce qu'à cause de ça, les gens vont devenir des voleurs, ils vont devenir des voleurs qui vont faire des magouilles, des trucs comme ça, mais rouler, parce qu'ils ont la patte du gain de l'or. Le Midrash, il est là-bas, Nahon,
La honte que l'or aussi va faire des dégâts. Mais pour l'Olam, il ne l'a pas gâché. Pourquoi? Parce qu'il y a le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem qui est de faire des ustensiles en or. Alors, regardez que la question se pose. Regardez la question. La question qui se pose, c'est la question suivante. Mima nafsha. Si maintenant tu me dis que quoi, que à cause des Réchaïm, il fallait cacher la chose. Il fallait cacher cette création. C'est la lumière, l'or, la ganouze, et l'or, le zahav, il fallait les cacher. Alors c'est comme ça, il fallait cacher les deux. Ouais, puisque des deux, il va y avoir un dégât que vont faire les Réchaïm. Mais la question est bon. Tu dis non, l'or, je ne peux pas le cacher. Pourquoi? Parce qu'on a besoin pour dévoiler le kavod d'Hachem. Que l'or, en vérité, est un métaux tellement précieux. Et que quand on va faire avec cela des ustensiles dans le Beth Amikdash, ça va être Zek et Livan Léo. Alors, pour le kavod d'Hachem, on les a laissés dans le monde. Attends, ça veut dire que tu t'en fiches que ça va dégrader l'humanité? Ouais, mais il y a le kavod d'Hachem. Alors, c'est comme ça. Même l'organoul, tu es qu'à le laisser. Pourquoi? Parce que l'Akhilami, il va dire kavod d'Hachem. Kavod d'Hachem, que quoi? Que quand un bonhomme va se mettre à regarder vers le haut, un abruti qui va s'asseoir à côté de toi, à la synagogue. Ouais, et cet abruti part dans la synagogue, tu es dit à son état bien, bébé, ta clésette. Il va dire, moi, pourquoi il ne faut pas parler? Il dit, parce qu'il y a la Shrina. Il dit, quelle Shrina? Montre-moi la Shrina. Il dit, regarde vers le haut. Regarde, il voit qui c'est Kavod. Il voit qui c'est Kavod, à la Makom, il va se taire. Ouais, donc tu vois qu'il y a un Kavod Hachem Atsum avec le Roi Laganouz. Parce que le Roi Laganouz, ça me sert à quoi? Ça me sert à montrer au bonhomme la réalité. Simplement lui disant, regarde par là-bas, il va voir la réalité de la bouteille. Un homme, il va t'attraper comme ça. Il va t'attraper, il va dire, ouais, vous dites les religieux, Machia, qui prouve que le Machia, il va venir? On dit, regarde en avant. Ouais, son temps, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Machia arriver. Donc le roi Galou, tu permets de voir le Machia. Nous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le bonhomme, il fait le chouva. Parce qu'il voit, il m'a montré. Donc je peux pas discuter. Et le malazo. Ah, tu vas dire maintenant, ouais, qu'est-ce que vous racontez, vous, il y a Triatamitim, on a vu ça, il y a Triatamitim. Depuis quand on voit ça? Ça, c'est rien que d'envoyer lister, ça, on voit pas le Triatamitim. Il dit quoi? Regarde en avant. Il regarde dans le temps, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir en avant, Pitom, à l'époque du Machia, comment les morts vont se lever de la terre? Ils vont sortir. Il va dire, c'est trop dur, je suis toujours à la Makom. Non, si c'est comme ça. Pourquoi l'or, qui est à cause du kavod d'Hachem, dans la confection des ustensiles du Mishkan, tu l'as laissé, alors que ça va dégrader le monde, d'accord? Mais tu dis non, c'est le kavod d'Hachem. Et pourquoi la lumière Oréganouz, qui lui aussi donne un kavod d'Hachem, puisque grâce à lui, on voit le Hémet, et les gens vont faire tchouva grâce à ça. Non, d'abord étant donné qu'il va y avoir des réchaïnes qui vont se dégrader avec ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Première question. Deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire que les Réchaïm vont se dégrader avec ça? Mais non, le contraire. Avec le roi Ganouz, ils ne font que tchouva. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Tu crois qu'un rachat, ouais, il est rachat, même s'il voit la vérité? La pachtoute, c'est de dire quoi? Que toute la raison pour qu'un rachat est rachat, c'est parce qu'il ne voit pas la vérité. Parce qu'il croit qu'il a raison. Et c'est pour ça qu'il est rachat. Mais si un rachat, tu lui montres la vérité. Donc devant toi, devant tes yeux, comme ça, en chair et en os, il voit la vérité. C'est fini. Même lui, ça va le faire tchouva. C'est cette deuxième question. Donc comment comprendre ce midrash dans vos pères? En fait, ce midrash est en train de nous apprendre les sod atzum. Il nous apprend à Rabotai l'importance de la Bechira. L'importance de la Bechira. Hachem a voulu, lorsqu'il a créé le monde, donner la Bechira à l'homme, le libre arbitre à l'homme. Pourquoi il a voulu donner le libre arbitre à l'homme? Pachou, chez lui, il y a la main des kishufas. Pour ne pas qu'on ait le pain de la honte. Parce que les Neshamot, recevant leur lamaba gratuitement sur un plateau, ouais, la Neshama a la honte. Elle a l'impression que pour leur lame, tu donnes à manger. Comme quelqu'un, tu prendras à la maison, tu vas dire, t'inquiète plus, c'est moi qui m'occupe de toi, t'as pas un assad, t'es nianim, je te marie, je t'amène des recoulés, je m'occupe de toi. Le problème, il m'a dit, écoute, Rabbi, je suis mal à l'aise. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je reçois, je mérite pas. Moi, je veux mériter, donc un travail, donc quelque chose à faire. Au moins que je sens que je mérite ce que tu me donnes. Mais sinon, non, les Neshamot, c'était pareil. Les Neshamot, c'est au Gan Eden, et c'était Néné Xiva Shrina, elle a profité de la Shrina, mais vous voyez qu'elles n'ont rien fait pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé le monde, il les a amenés dans ce monde, il leur a donné la Bechira de faire ou de ne pas faire, et à ce moment-là, comme c'est moi qui a décidé de faire, ouais, à ce moment-là, j'ai donc le mérite, et après 120 ans, je n'aurai plus honte de profiter du Xiva Shrina. Voilà, ça c'est le plan du monde. Maintenant, il demandera à Binou Yona, mais attends, quand je me trouve, c'est bien beau, mais je suis content. Donner la Bechira à l'homme, mais c'est hyper dangereux. C'est ce que ça veut dire donner la Bechira à l'homme. Donner la Bechira, c'est-à-dire que je suis obligé, pour donner la Bechira à l'homme, d'être mastir Mitzvot Hashem. De cacher la Mitzvot Hashem. Pourquoi? Parce que je ne peux pas donner la Bechira à l'homme si la Mitzvot Hashem, je la dévoile. Vous comprenez? C'est un bon là, il voit que quand il est Mahal Shabbat, il est mort. Ouais. Pourquoi? Parce que Hashem, il l'a interdit. Et si Hashem dévoile ce qui se déclenche quand un homme est Mahal Shabbat, mais le bonhomme, il ne touche pas. C'est trop dangereux ce truc-là. Pourquoi un homme il peut être Mahal Shabbat, il termine là? Parce que pour là, mastir est adigne. C'est qu'il empêche le din d'agir.
C'est absurde. Si le djinn aurait voulu normalement que quand tu touches la lumière Shabbat, qu'à ce moment-là tu es en train de détruire des Olamot, des mondes célestes qui sont en train d'exploser, faire Hiroshima, ça part dans tous les sens. Les malachim, ils crient au secours avec les trucs là-haut, les camions de pompiers. La Rol, qu'est-ce qu'il a fait ça? Il a les toilettes pour aller aux toilettes. Il a allumé la lumière pour aller aux toilettes, oui. La Rol, il veut de la lumière pour aller aux toilettes, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut en Boutaï? Un massacre, Hiroshima. Les malachim en train de courir avec les jets d'eau en train d'éteindre les incendies. Comme ça nous aurait dit, c'est un massacre ce qui se passe là-haut. Un massacre. Je crois que ça se calme. Une fois qu'on a calmé, les malachim disent, bon, là, il y en a marre. Et on commence sans arrêt, cet abruti là. On va devenir fou avec lui. Tiens, supprime-le une fois pour toutes, comme ça termine. On va pas tous les cinq minutes, les pompiers, les nianimes, les incendies, les trucs, on va pas comme ça. Non, on doit chanter, on doit faire des chants HM, on doit rouler. Mais cet abruti là, il nous prend la tête, on peut plus chanter, on peut plus rien faire. On les constate avec les pompiers, les trucs, les incendies. Alors arrête-le. La prochaine fois qu'il touche l'interrupteur, je clique. Voilà. Qu'est-ce qu'il vaut mieux HM? Il vaut mieux les pompiers là-haut ou bien le bonhomme en bas? Le bonhomme en bas, c'est un coup de courant. C'est fini avec lui. Là-haut, on est tranquille. Et on continue à chanter pour toi. Qu'est-ce qu'il y a HM, non? Pourquoi? Je lui donne la Bechira. Il faut qu'il ait la Bechira. La Bechira, il ne peut l'avoir que si un homme croit qu'il ne se passe rien. Genre, stop. Stop. C'est ces rabbins qui veulent nous faire peur. C'est eux qui vont nous faire peur. On les connaît, c'est pour l'argent. Parce qu'en fait, plus ils font peur. Parce que plus ils nous font peur et plus ils font de l'argent. Parce que c'est comme ça en fait. Soi-disant l'amour. On le connaît l'amour. Ouais, soi-disant. Il lui dit ouais, il faut aimer HM, il faut travailler HM avec de l'amour, écouler. Mais en fait, il sait dans tout l'amour en fait me mettre un truc dans le dos. Ah, non, ça va pas là. Non, ça va pas. Là, c'est grave. Tu vois combien? 10 000 ou plus? Moi j'ai bien. C'est quoi les foules, je sers, mais en attendant, la Bechira, c'est dangereux la Bechira. Un homme s'imagine Rabotai qu'il peut faire ce qu'il veut, il se passe rien. Un homme il peut sortir avec une fille Rabotai, faire des bêtises avec elle, mais il voit pas le problème. On lui dit Tichayev Karet. Un blanc, il saute une fille Rabotai. Une jeune fille, je parle, hein. Je parle pas même une femme mariée. Femme mariée, c'est encore plus grave. Je parle une jeune fille, ouais. J'ai une petite copine, 16 ans, 17 ans, comme ça. Petite copine, sur avec elle. Ouais, il pécote avec elle. Simplement. Qu'est-ce qui se passe? Khayev Karet. Quoi, Khayev Karet? C'est quoi, Khayev Karet? Je sais pas, c'est Khayev Karet. C'est quoi, Khayev Karet? Tu sais ce que ça veut dire, Khayev Karet? C'est-à-dire que le Zohar nous explique là-bas, Botaï, que maintenant, si ta Neshama, elle devait vivre, ouais, par exemple, 90 ans ou comme ça, à la Makom, tes années sont raccourcies. Tout est raccourci. C'est-à-dire que le bonhomme, normalement, il passe ses 50 ans, il meurt à la Makom. Comme ça. Crise cardiaque. C'est télécommandé. C'est-à-dire c'est déjà télécommandé là-haut. C'est-à-dire c'est même pas que le bonheur il peut éviter ça. C'est inévitable. Ouais, rêve calme. Mais non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement que la vie s'est écourtée. C'est que même la vie rouhani s'est écourtée. C'est-à-dire que quoi? Que maintenant le bonheur il fait des filotes, il fait des misvot. On connaît pas. On connaît pas qui a fait le mazé. C'est-à-dire que là-bas tu disparais quand tu fais le mazé. Pourquoi? Parce que tu rêves calme. Ces choses-là, Rabotai, si l'homme il voyait ses yeux, mais tu rigoles, il s'approche pas. Il touche pas. Il devient Baba Salé, Khabib. Shemirat Enayim, il ne touche plus, il ne s'approche plus. Il s'écarte à 20 km, pas 4 mois. 20 km. Il n'y a pas, c'est pas, il y a pas Yeroud. Parce que les Kham, ils ont fait l'interdiction d'Yeroud. Moi, c'est pas interdiction d'Yeroud. Moi, c'est interdiction dans la ville. Il est dans le désert là-bas avec les chèvres. Ouais. Et là-bas, je fais Shemirat Enayim des chèvres femelles. On ne sait jamais. Comment? C'est même ma beauté, il s'écarte à des kilomètres. Mais quoi? Hachim dit non, je veux qu'il libre arbitre. Le libre arbitre à Bota, ça met l'homme dans une situation où l'homme croit. Il ne se passe rien quand je fais d'Aver. C'est ce qu'il dit Rabbi Noyonal. Qu'est-ce qui fait que l'homme, qu'est-ce qui fait que l'homme n'a pas peur, que l'homme fait d'Aver? Il dit non, parce qu'il ne voit pas ce qui se passe. N'importe quel système, regarde, prends n'importe quel système. Toi, tu es un patron de société. Tu prends des employés. Et les employés, tu fais une grande réunion, tu leur dis bon, bravo taille, on est sympa, on vous donne beaucoup de trucs, des bonus, etc. Vous voulez, seulement, il faut que je vous explique aussi ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a aussi ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas seulement ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'il ne faut pas faire. Ben alors, je vous préviens, ça, il ne faut pas faire, mais je vous préviens, si un fait un truc comme ça, il a la porte. Très bien, bon, il a fait la réunion, impeccable. Maintenant, les bonhommes, bon, ils font attention, il y en a un qui l'a fait une erreur. Normalement, d'après ce qu'on a dit, il a la porte, ils sont tous super maintenant. Ils disent, oh, c'est, tiens la porte, maintenant, le patron, il va savoir, chimiquement. Donc, le patron, il a entendu, il vient, comme si rien n'était dit, rien. Il dit, c'est bizarre, quand il a pas relevé ou quoi. Bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça va être la débandade.
Ce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire voilà, ben, ils menacent, il ne se passe rien, mais il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. C'est exactement la même chose avec Akashou. Pourquoi l'homme, en bouteille, se laisse aller et perd les pédales dans ce monde? Parce qu'il voit qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais non, les rabbins, eux, c'est les champions pour faire des rapports. Ils, mais non, il se passe. Ma pitom, il se passe rien. Mais t'as qu'il se passe. Il dit, regarde, je t'explique ce qui s'est passé. Ouais, la chol, il a parlé de la chonara. Ouais, il est monté dans l'ascenseur. En fait, l'ascenseur, il s'est bloqué à cause du la chonara. Là, tu le regardes, il dit, ouais. Il dit, ouais, la concierge aussi, l'autre fois, l'ascenseur s'est bloqué. Mais c'est une goya. Quoi, l'autre, il faut pas qu'elle parle de la chonara, aussi. Il y a un problème. C'est qu'on n'y comprend plus rien. Toi, tu veux faire des rapports et des trucs, vous voulez. Mais moi, je comprends pas, moi, ces rapports. Arrêtez, bon, là, il a un problème. Mais il faut que je vois tout de suite. Si je le vois pas, donc pour moi, il n'y a rien. Et c'est à cause de ça que l'homme a fait la mire à l'autre. Il demande à Beno Yona, pourquoi pour l'âme il n'a pas été gonné ça? Pourquoi Hachem n'a pas supprimé le libre arbitre? Comme tu as dit la même chose pour l'Orla Ganous. Alors qu'est-ce qu'on répète? Qu'est-ce qu'il a dit Midrash Abba? Il a dit comme ça. Bon, alors l'âme n'a pas voulu laisser l'Orla Ganous dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les Rishaïm, ils allaient faire des dégâts avec. Ils allaient s'en servir dans le mal. Bon, alors l'âme, quand il a vu que ça va entraîner du mal, il a enlevé. Il a enlevé l'Orla Ganous. Parce que c'est trop dangereux. Il a fait mort. Si c'est comme ça, pourquoi le libre arbitre tu le laisses? Et pourquoi tu crées l'homme? Pourquoi tu crées des choses dans ce monde qui sont des choses qui font des dégâts dans le monde? Et là-bas, tu ne me dis pas qu'à cause des dégâts, on l'a soulevé. Qu'est-ce qu'on répond là-bas? On répond, je suis le kavod Hachem, on l'a vu. Ma FD, pourquoi des choses, je suis le kavod Hachem, tu laisses? Et pourquoi le Oregano, il n'y aurait pas kavod Hachem de laisser aussi? Ça, c'est la question. Alors écoutez le Yesod. Le Yesod, il est comme ça. Il faut savoir que la Bechira qu'Hachem a donnée dans le monde entraîne une chose que nous, on ne sait pas. On ne sait pas, on a bien apprendre ça. Il faut bien apprendre. Plus, bon, je vais expliquer d'abord le Raganous, après je vais expliquer le Zahar. Parce qu'en fait, on a deux questions. Question face au spirituel et une fiction face au matériel. Face au spirituel qui a été caché et au matériel qui a été dévoilé. Okay? Bon, alors là, il a dévoilé à Botaï la bracha dans le matériel. Mais Hachem a caché la bracha dans le spirituel. Dans le spirituel, bon, alors là, il a caché la bracha. On ne voit pas la bracha dans le spirituel. Un homme, il est sadique, fait des mises en roulée. Qu'est-ce qu'on voit de sadique vers l'homme? Par contre, dans le matériel, on voit la bracha. Pourquoi Hachem a caché la bracha du spirituel? Il a dévoilé la bracha du matériel. Regardez comment. Il dit là-bas, il dit Rabbi Noyona d'avoir assouvi. Il dit qu'en fait, à cause de la Bechira, si jamais le spirituel s'élevait, pour respecter la Bechira, il faudrait élever le kishou, le relève de la personne. L'entêtement de la personne. Pourquoi? Pour que ce soit au même niveau. Parce qu'il faut que ce soit au même niveau. Je te fais un dévoilement. Maintenant, les chora, hein. La Bechira, elle est décalée. Il n'y a plus de Bechira maintenant. Attends, ce dévoilement maintenant, tu m'as enlevé 80% de la Bechira. Voilà, comme Hazak. Exactement comme Paro. Le même Yesod que Paro. Paro, on lui fait des dévoilements. Qu'est-ce que vous faites? Après, on lui aussi le cœur. Tu lui dis, on enlève la Bechira. Donc, il a dit, non, il n'enlève pas la Bechira. Ça raconte, qu'est-ce qu'on fait? On réagit avec Anouz, qui va être un dévoilement à son niveau spirituel. Va demander automatiquement un dévoilement à son niveau de la méchanceté et du mal dans le monde. Ça, c'est le Khorban Aoula. C'est-à-dire, maintenir la Bechira avec un dévoilement pareil, c'est Khorban Aoula. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Gana Zeta, et c'est pour ça qu'il a caché la lumière. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas être étonné à la bouteille, on a pris un essor dans le passage ici. Que quoi? Que quand maintenant, Tchapitom, il est au reroute, Tchapitom a un chizouk, tu sens un chizouk atsoum. Ça arrive chez chacun, ça. On a un chizouk atsoum comme ça, soit dans la Tfilin, soit dans le Limud Torah, soit dans Vodat Hashem, soit dans les Midot. On a fait un truc bien. Et on sent vraiment chez une tourroute à Tsuma. Faites attention, que tout de suite après, vous allez sentir une irritation à Tsuma. Tout de suite. Un chaos à Tsuma. Mais rien comprendre. Rien comprendre. Mais vous m'avez dit, moi, j'étais tellement bien, je parlais aux oiseaux, j'étais bien, je parlais à Hachem, je voyais les lumières, oh l'autre, Harry, oh, c'est une flamme. Je voyais les autres. Et puis, Tom, le tunnel, et la irritation, et le chaos, et le stress, et la paix, et le problème, ne comprend pas. Il dit pourquoi plutôt je tombe comme ça? En fait, non, je n'ai pas tombé. Le tzara te fait voir ça comme une chute. Mais ce n'est pas une chute. En fait, c'est un rajustement de la Bechira. On veut rajuster de la Bechira. Comme maintenant, tu as eu ce chizouk et cette itoréoute. Et comme cette itoréoute maintenant t'amène kaviachol à faire disparaître la Bechira. Parce que maintenant, tu n'as plus le choix que de faire le bien. C'est atsoum, hein? Ça, on parle même de chizouk, Rabotai. C'est normal d'ailleurs. Même un chizouk, quand il a. Il faut qu'il y ait automatiquement de l'autre côté de la bouteille une kalichout. Pourquoi? Pour garder la Bechira 50-50. Non, rabaïen. Et ça, l'homme doit le savoir, ça. Il doit le savoir pour ne pas être brisé lorsqu'il a comme ça un chizouk et une irida. Un chizouk et une irida. La irida n'est pas là comme une vraie irida,
Elle est juste en train justement de ta bichira. De façon à ce que tu puisses être méritant pour le prochain chizouk, tu vas voir. Parce que si jamais maintenant tu as un chizouk et on ne fait pas de l'irida, alors bah oh, tu vas monter, monter, monter sans arrêt. Et ça, à ce moment-là, tu n'as plus de mérite. Pourquoi? Parce que c'est ton chizouk précédent qui t'a fait monter. Et mais pas que ta bichira était là pour dire je continue à monter. Pour que ce soit ta bichira qui constamment te fait travailler et t'amène à une avoda, il faut constamment réajuster la bichira. Et donc, renforcer ta méchanceté, renforcer ta touma et tes nianim. Où le bonhomme, il ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi ce bénodame, c'est quoi ce phénomène que tu as créé? Une fois, je suis dans les malachim, une fois, je suis dans la touma. Une fois, je monte là-haut, une fois, je suis en bas. C'est quoi ce truc-là? Comment je passe d'un truc à l'autre comme ça? Et le bonhomme, des fois, il est dérangé par ça. On est dérangé par ça. On se demande des fois, mais quoi, je suis là ou je suis là? En vérité, non, c'est pour ajuster la bichira. Il a fait. Mais non, la question qui se pose en bouteille, pourquoi c'est pas la même chose dans le matériel? Dans le matériel, comme l'or par exemple, ou là-bas en Iran, là-bas pour le kavod d'Hachem, il fallait créer tout ça. Pour le kavod d'Hachem, il fallait créer tout ça. Là, je ramène que lorsque les Israël dans le désert, ils ont demandé à manger de la viande. On en a marre de manger la manne, c'est un pain spirituel, ouais. On a l'impression qu'on vit comme des astronomes là-bas dans la Lune, ouais. Parce que là, les astronomes, ils ne mangent pas de nourriture, ils mangent des cachets. Des cachets qui représentent le coca, la glace, l'unanim. Bon, il ne faut pas laisser trop, là, trop longtemps là-haut. D'ailleurs, il revient, sinon, il a une pression nerveuse. Il vient fou, le décaché. Un homme, il a besoin de voir l'entrecôte, de voir le truc là-bas. La manne, non, c'est pas ça. La manne, c'est quoi? Alors, je pense, kavana, entrecôte, avec sauce au poivre, comme ça, tac, tac, très bien, ok. Oh, il est bon, non? Allez maintenant, chouchouka marocaine, ouais, agrémenté au piment de Cayenne. C'est le même truc à Botay. Le même truc qu'ils mangeaient le bonhomme, ça passe à un truc. C'est pas des métiers. Comment ils faisaient du recette? Ils n'ont pas de recette. Alors, comment ils faisaient? Ils passaient la recette. Alors là, ils disaient, alors, regarde, je vais te faire la paquette là, tu vois. Moi, je n'ai jamais goûté la paquette, je ne connais pas. Alors, je t'explique. Comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Wow, magnifique. Et comme ça, ils faisaient du recette. Comment ils goûtaient un truc, comment ils goûtaient un autre truc brûlé, et comme ça, ils faisaient du recette dans un clore à bouteille pour arriver à ressentir les choses. Au bout d'un moment, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble, les bonhommes. Mais on va mourir avec ça. C'est pas possible, rien qu'en mangeant, il n'y a rien qui sort. Parce qu'en vérité, tout se transformait à bouteille en roukhaniout. Il n'y a rien du tout. Les gens, ils n'avaient plus aux toilettes, ils n'avaient plus nulle part. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont eu peur, on n'est pas normal là. On veut vivre, on veut manger une autre corde, on veut manger un beefsteak, on veut manger quelque chose de bien. On veut cela, on veut de la viande. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, il dit, mais attends, mais où je leur sortir la viande? Il a dit, bah, qu'ils prennent leur bétail et qu'ils commencent à faire la shrita. Bon, alors là, il dit, tu rigoles ou quoi? Il dit, bah, ils ont du bétail, ils avaient plein de bétail. Ben, qu'ils fassent la shrita de leur bétail et qu'ils mangent leur bétail. Pourquoi tu es en train de nous rendre fous? Un bonhomme, il va chez toi comme ça, il vient chez toi tous les jours comme ça en train de crier. J'en ai marre, je veux la viande, je veux la. L'autre, il a 700 bêtes. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais tu vas te calmer, va faire la shrita à ton animal. Tu manges chorèche, je te donne l'adresse en chorèche. Voilà, dame le chorèche, voilà, tu fais à la hèche comme ça avec le michoui. Ah, voilà, ça va comme toi. Qu'est-ce que vous êtes en train de crier? Vous avez du bétail. Il dit, quand je vous crois, mon cher Abbé, mais tu es fatigué ou quoi? Tu veux que les pays Israël croient que je suis limité dans ce que je peux donner? Et que je peux donner que la manne dans le désert? À la Macon, demain matin, il y a la viande. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Olam? Il a fait descendre à Bretagne des millions de tonnes de viande. Ouais, des caïques, vous savez, ça vous en vient. Les bonhommes en Bretagne, ils ne se baissaient même pas pour ramasser. C'était à l'auteur du bonhomme. Le bonhomme, il mangeait. Quand ça descendait, ça renouvelait. C'est toujours au même niveau. Et pourquoi il faisait ça à Hachem? Il faisait ça pour leur montrer, Hachem n'a pas de limite. Le Midrash, il demande là-bas. Hein. Mais attends, Bébolam, il sait très bien que cette génération-là, il va la perdre dans le désert. C'est une génération qui n'est pas méritante. Il va y avoir le Chetta Eger, le Chetta Miraglim. Ils vont tous mourir dans le désert. Comment ça se fait que tu leur donnes tellement? Pourquoi tu leur dévoiles tellement à une génération que tu vas perdre dans la suite? Un homme, quand il sait qu'une chose n'est pas bonne, il ne va pas s'investir sous ça. Alors, je vous le dis comme ça. Malgré tout, malgré que je sais qu'il n'y aura rien à gagner derrière, mais pour mon kavod, je leur donne. De là, on voit que Hachem préserve son kavod au niveau du matériel, même si c'est que quoi, que le bonhomme derrière, chez Mishpo, il va faire ça. Le Razonich Naman de la Raya, Atsuma, c'est une Raya révolutionnaire à Bouddhaï. Il ramène là-bas la Raya, que quoi, que même le voleur à Bouddhaï, lorsqu'il a Bitachon Bachel, qui va faire un casse qu'on ne va pas l'attraper, ouais, ça ne faut pas dévoiler, mais c'est bon. Il va faire un casse qu'on ne va pas l'attraper à Bouddhaï. Il dit là-bas, Shem, pour le Kavon d'Hachem,
qu'il a eu pitachon Bachem, Hachem va le protéger, on ne va pas l'attraper. Pourquoi? Parce qu'il a qu'il a mis la pitachon Bachem. C'est le kavod d'Hachem, Rabotai, va jusqu'à même supporter le mal, pourvu que le kavod d'Hachem ne soit pas bafoué. Quelle différence? Quelle différence avec ce qu'on a dit avant? Pourquoi dans l'Ukhani, c'est pas comme ça? Dans l'Ukhani, on a dit quoi? Que là-bas, pour respecter la Bechira, eh bien, il faut, il a qu'il a mis, faire disparaître le Roganous, parce que sinon, il y a un problème. Sinon, le monde, il aurait été détruit. Et pourquoi dans le matériel, c'est pas la même chose? Tu vois pas que le monde, il se détruit, ce matériel? Avec toute cette abondance que tu es en train de donner dans le monde, Hachem, tout cet argent, cette opulence, ce matériel, cette technologie qui n'arrive pas d'avancer et qui n'aide pas de défoncer le cerveau de nos enfants, ouais, qui n'a même plus un, il y a même plus un rescapé, Rabotai. Il n'y a plus un rescapé. Si un rescapé, c'est un S, Rabotai. On les défonce, mais à une allure lumière, à la vitesse lumière, Rabotai, ils sont défoncés. Avec ces appareils qui sont en train de sortir aujourd'hui, et c'est en constamment, Rabotai, on est constamment en retard par rapport à ce qui est en train de se préparer à sortir. Parce que là, vous connaissez les modèles de train à vapeur, ouais. Il va sortir à Bouteille, mais c'est des fusées à réaction qui sont en train de sortir. Ce qui est en train de sortir par rapport à ce qu'on a à Bouteille, c'est de la rigolade, c'est du bonbon. C'est du bonbon, on est constamment en décalage, constamment en retard par rapport à ce qu'on est en train de sortir. Bon, alors là, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a pour le Midrash à Bouteille? Mais je suis une kvod Hachem. C'est que tout ça, la réponse à tout ça à Bouteille, à tout ce développement matériel, c'est le kvod Hachem. Mais ça dégrade, ça tue du monde. Les jeunes sont en train d'exploser avec ça. La jeunesse est en train de partir en cacahuète. D'accord? Un truc comme ça, qu'est-ce que tu fais normalement? Eh ben, tu vas voir le volant qui est en train de dire, tu arrêtes, ça suffit, c'est trop dangereux, c'est en train de tout caser. Ben, là, qu'il faut s'adresser? Ben, Bola Olam. On va appeler Bola Olam, on va lui dire, Bola Olam, stop, arrête la technologie, on revient au train à vapeur, on revient aux ânes. Ouais, aux ânes, comme à Abraham Avinu, comme à l'époque, la belle époque. Avec les ânes, les chameaux, tranquille. Téléphone, ben, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a plus de messages et tout. Il y a le téléphone des Indiens. C'est avec la fumée, ils ont juste... Tu fais les bulles comme ça, la fumée, et en fonction de ça, il sait SOS, SOS, vite, il y a un mort, là, il est en train de mourir, ben, il est mort, ça, c'est bon, là, en tout cas, c'est bon, là, qui décide. Mais on ne va pas commencer à voter à développer la technologie. Et arriver par le maintenant, à voter une catastrophe. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qui répond le Midrash? Mais je suis un kavod Hachem. Pour le kavod Hachem, on laisse ça. Quel kavod est ici, à Bouteille? C'est quoi le kavod? Regardez bien. Il y a un principe dans la Torah. Ça dit qui mikrouba au poché mikashouba. Ça dit qui mikrouba au poché mikashouba. Un homme qui sait tirer à profit Rabotai. Ce qu'on appelle Rabotai les kelim du matériel. Le matériel, c'est des kelim. Pourquoi Rabotai, un homme, un avi, doit être forcément un homme riche? Parce que la richesse, c'est pas une preuve forcément Rabotai de quelque chose qui est forcément bien. Ouais, tu vas me dire la rochma, on peut comprendre, mais la richesse, c'est matériel. Parce qu'il est riche, le bonhomme, il a un caveau de pareil, oui. Il y a un dîme, Rabotai, qui doit être Mechabel, l'homme riche. L'homme riche, on doit lui donner un caveau. Pourquoi? Pourquoi on doit lui donner un caveau? Quel caveau? Il est riche, c'est moi qu'il est riche. Parce qu'il est riche, on doit lui donner un caveau. Oui, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, ça représente des kélims. Si le bonhomme, il a une richesse, si le bonhomme, il a une rochma, si le bonhomme, il a une voura, si le bonhomme, il a des kélims, on appelle ça des kélims. C'est quoi des kélims, Rabotai? Ce sont en fait des ustensiles qui lui donnent des moyens. Ça lui donne des moyens. Tout moyen Rabotai donne à l'homme Rabotai une possibilité, une force spirituelle. Tout moyen que l'homme il a. Un homme il a de l'argent, ça lui donne une force spirituelle. Un homme il a une force, ça lui donne une force spirituelle. Un homme il a de la chorma, ça lui donne une force spirituelle. Tout ça Rabotai, ce sont des moyens, ce sont des kélim. Un homme qui chasse le shalom Rabotai n'a pas d'argent. Un homme qui est pauvre, un homme qui galère, un homme qui a des soucis, un homme qui est triste Rabotai. C'est un homme qui n'a pas de kélim. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on est bien ou pas bien? C'est qu'on est d'équilibre ou on n'en a pas. Le corps humain, Rabotai, est façonné d'une manière, au niveau Rouhani, il ressent quand il a d'équilibre ou il n'en a pas. Quand le bonhomme sent qu'il n'a pas de kélim, eh bien il est triste. Il tombe dans une tristesse, il tombe dans un chaos, il tombe dans un stress. Il sent qu'il n'a pas de kélim. Il n'a pas de kélim par rapport à ce que le Rouhani lui demande. Quand un homme sent qu'il a d'équilibre, il est heureux. Il est sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a le matériel qu'il faut. Il a le matériel qu'il faut pour avoir ce qu'il veut, Rabotai. Exactement quand un bonhomme, de la même façon qu'un bonhomme qui a de l'argent à la banque, ouais, pour pouvoir acheter ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Il est heureux, il est content. D'où ça vient cette joie? L'erreur, l'argent, tu ne manges pas, non? Il est posé à la banque. Qui c'est qui est riche en vérité? C'est la banque, c'est pas toi. Ouais, parce que l'argent, il est posé là-bas. Donc, qu'elle lave comme une lampe de toi, elle porte d'à côté. Tu n'as pas un sou en poche, lui aussi, il n'a pas un sou en poche. Pourquoi toi, tu es heureux et l'autre, il est malheureux? Ben, parce que lui, il a des moyens qui lui permettent de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Alors que toi, tu n'as pas ces moyens. C'est-à-dire que j'ai des kélim, mais toi, tu n'as pas de kélim, c'est Rouhani, tout ça. Et comme j'ai ces kélim, c'est pour ça que j'arrive à faire ce que je veux. Un homme qui est chacham, par rapport à un homme qui t'y pêche, un homme chacham, il est plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il a des kélim. Un homme qui t'y pêche, il n'est pas heureux. Il a fait moi. Maintenant, la question, elle se pose comme ça.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est dans un dos où il y a tellement de kélim, a priori, et que les gens sont de plus en plus malheureux? C'est pas qu'on va de plus en plus faire le bonheur. Parce que tout ce qu'on développe aujourd'hui, c'est dans le but de donner le bonheur. On ne développe pas pour tuer les gens. Tu vas interviewer toutes les sociétés de développement de technologie. Tu dis, pourquoi vous développez de la technologie? Pourquoi vous développez des appareils? Pourquoi? Tous ils vont te répondre quoi? Pour améliorer les conditions de vie. Donc c'est une réponse. Pour améliorer les conditions de vie. C'est la raison. Il n'y a pas d'autre raison sinon. Tout ce qu'on développe dans la médecine, dans la science, dans la technologie, c'est quoi le but? Ils ne vont pas te dire d'où, c'est pour éliminer l'humanité. Pas plutôt. C'est pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer l'humanité. Si tout ce que tu es en train de développer, c'est pour améliorer l'humanité, comment ça se fait alors que l'humanité est de plus en plus stressée, de plus en plus malade mentale, de plus en plus michouga, de plus en plus rabotée, brisée? Et quand on compare rabotée avec les générations d'avant, où ils n'avaient pas autant de technologie, ils avaient beaucoup de lacunes dans la médecine, dans la science, dans la technologie, beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes, des choses qu'aujourd'hui on règle comme ça. À l'époque, c'était arrivé des heures, des journées, des gnani, moi, Boutaï. Avant, pour installer un téléphone à la maison, il fallait attendre 2 ans la demande à la poste. Aujourd'hui, c'est ton ordinateur. C'est bon, c'est fait. Et tu veux quoi? Tu veux mettre un hélicoptère sur ton doigt? C'est fait. C'est ça, Boutaï. C'est connexion banque, connexion d'hélicoptère. Ça y est, c'est tout. C'est réglé, Boutaï. Non, normalement, ça devrait rendre ma vie heureuse. Tout est facile, tout est simple, tout est pas chaud, Rabotaï. On est en train de plonger vers une société où aujourd'hui tu peux tout régler avec ton iPhone sans sortir de la maison. Tu n'as plus besoin de sortir, plus besoin. Tu restes dans ton salon, tout vient à la maison, de tous les coins du monde. Pas seulement dans ton magasin à côté du quartier, même de la Chine. Stick-strack, commission en Chine. Ching 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 ching, très bien. Je veux 4 kilos de riz. On a ma compte 4 kilos de riz. C'est pourquoi j'ai arrivé. Ben voilà, 4 kilos de riz. Ils sont là. C'est comme ça, la bouteille. Un peu plus majeur. On va arriver à ça de plus en plus, la bouteille. De plus en plus, on fait disparaître les employés des banques. Il n'y a plus d'employés dans les banques. Ils vont tous être au chômage. Tout va se passer avec des appareils. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'employés, il n'y a plus rien. Plus personne ne marche, plus ça ne travaille, il n'y a plus rien. Il restera que les livreurs, bon, parce qu'il faut bien livrer à un moment donné. Même ça, ils vont trouver un système, sans livraison, je ne sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, ils vont trouver un système guidé. Ils sont capables de trouver des trucs comme à l'époque, on ne croyait pas qu'ils pouvaient trouver, qu'ils ont trouvé aujourd'hui, et qu'on ne pouvait pas rien, que ça ne pouvait pas exister. Ouais. De la même façon, ce que tu crois aujourd'hui qui ne peut pas exister, ça va exister. Parce que c'est la même chose avant, il y a 30 ans d'arrière, impossible, ça c'est impossible. Voilà, il est là. Ça aussi, et comme tu aujourd'hui dis, ça c'est impossible, tu vois, bon, il va être là. Il va arriver. Nous, avec tout ça, les chauves, hein. Le but, c'est quoi? C'est de donner une vie heureuse. Plus on va, plus ils sont malheureux. C'est quoi le chat? Mishnah, les pérégrins. C'est Mishnah qui l'a dit. Mishnah simple. Tu la connaissais, mais elle n'est jamais venue dans la tête d'y penser. Ah tiens, j'ai pas pensé à ça. Mishnah Pshuta. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Me'ain bata ou l'anata oler. La Mishnah répond à la question. D'où tu viens et où tu vas? D'où tu viens? D'une kippa soura. Tu viens du goutte puante. Ouais, le sperme. Tu viens d'une goutte puante. Ouais, le sperme, c'est, au bout d'un moment, c'est un sirahon, c'est une puanteur. C'est un excrément qui sont de l'homme en liquide ou en solide. Bon, c'est des excréments, quoi. C'est la même chose. Et d'où tu viens? Ben, de ça. Quoi? Moi? Je manque de respect? Moi, le chef, le leader, tu dis, je viens de la goutte. Tu te calmes, tu viens de là-bas. Tu peux être le patron, tu peux être le président, tu peux être Trump, tu peux ce que tu veux, vous sortez tous de là-bas. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas jamais lui les sorties d'une soucoupe volante ou lorsqu'il est sorti d'un truc, vous coulez. Vous êtes tous sortis d'une goutte puante. Bon. Pourquoi les rachamis veulent que je sache ça? Je ne sais pas. On va vous expliquer. Bon, ils pensent que c'est bien que je sache ça. Donc, après. Où les anata oler? Où tu vas? Les rima vetorea. Tu vas dans un trou où tu vas devenir des vers de terre. Bon, ça s'annonce, c'est réjouissant tout ça. C'est-à-dire, en fait, on te met dans le crâne. Tu viens du coup puante et tu vas dans un trou où tu vas devenir de la vermine. Voilà. Et avec cette Mishnah, tu réponds à toutes les questions. Toutes les questions sont répondues. En fait, c'est quoi le problème de l'homme? Je vais expliquer le problème. Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme, il a oublié, et ça c'est valable dans tous les cas, même dans un voyage, même dans la vie. Vous allez voir comment c'est un yesod, un tsum, et comment les rachamim, de plus en plus, Rabotai, je vous donne une clé.
de plus en plus, vous cherchez des problèmes, des réponses à des problèmes, cherchez-les dans les paroles de Chazal. Ce qui est insomme et ce qui est dur, c'est que les paroles de Chazal, c'est devenu du décodage. Tellement on parlait simplement et tellement nous on est devenu compliqué. On est devenu tellement compliqué que le simple qui était simple, on ne le comprend plus. Alors ce que nous a pour nous, c'est devenu du mystique, donc on ne se sert plus de ça. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher chez les psychoïm là-bas pour trouver une solution. Alors Rabbi Melim, t'as donné une Mishnah. Avec cette Mishnah, je t'ai expliqué la vie. Alors reprends la Mishnah, et quand vous allez étudier cette Mishnah, vous allez étudier maintenant toutes les Mishnah d'autres. Tout ce que vous apprenez de Rami, étudiez-le comme on l'étudie ici. Vous allez voir. Mais El Bata, d'où tu viens, où tu vas? Qu'est-ce que les Chachamim veulent avec ça? Les Chachamim veulent te faire comprendre une chose. Que, qu'est-ce qui donne à Simcha un homme? El Simcha, Ela Ka'atara Ta Svekot. La Simcha, c'est quand j'ai pas de Svekot. Un homme qui a des Svekot, c'est là que tu n'as plus de Simcha. Parce que tu as des Svekot. Maintenant, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'ont trouvé une formule, ouais, une formule, qui t'enlève les Svekot. C'est quoi cette formule? Mais un bata ou le taouler. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'en vérité, le trajet de voyage, il est clair. À partir de là, normalement, tu n'as plus de Svekot. Et regardez comment on a plus de Svekot. Regardez. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Je viens, je passe sur l'oreille, je vais finir là-bas. C'est-à-dire quoi? Déjà, la bataille, ça me met en tête exactement, ouais, ce pourquoi tu es en train de rentrer dans un dignon et ce pourquoi tu es en train de t'investir. Le Rami dit ça, c'est une chose, Rabibi. Si tu crois que tout ce qu'on est en train de développer là, ouais, c'est pour donner une vie heureuse. Ouais, une vie heureuse, c'est-à-dire matériellement, avec des hôtels, des motels, des nianim, des voyages là-bas et des voyages là-bas, et des voyages dans la Lune, et tout comme ça, qui coûtent des milliards, bon, t'as, et des trucs dans l'espace, avec des fusées dans tous les sens. Sache une chose, tu investis sur quoi? Sur Tipas Loura, qui va se terminer comme une vermine. Donc tu es en train d'investir des milliards pour ça. Alors quoi? Et alors qu'est-ce qu'il y a? Ben, comme ce n'est pas un investissement, donc c'est pour ça que tu as des suécoutes. Parce que quand on a un bon nombre de bouteilles, mais t'attaques, hein, je parle inconsciemment. Pas inconsciemment. Parce qu'inconsciemment, si on fait, si c'est conscient, on fait toujours. Mais non, pour l'instant, c'est inconscient. C'est pour ça qu'on ne fait pas toujours. C'est inconscient. C'est quoi l'inconscient en bouteille? Quand un bonhomme, il se rend compte qu'il investit tellement pour quelque chose qui ne vaut pas la peine, le bonhomme en bouteille, il pète un câble. Ou il pète un câble ou il fait toujours. Alors, un bonhomme qui ne sait pas que la chouba existe, il pète un câble. Et c'est pour ça, le temps qu'il tombe dans la déprime. Il dit, mais attends, il s'arrête comme c'est dit. On va mourir. Il ne faut pas trop parler de ça. Les gens, ils n'aiment pas qu'on parle de ça. Le bonhomme, il est en plein développement. Développement professionnel. Il est en train de développer la bouteille. Des affaires, des trucs. Allez, il faut acheter la dernière voiture. La Mercedes coupée, la bouteille Jeep. Jeep avec des antennes dans tous les sens. Et le siège éjectable. Non, pas éjectable. C'est la bouteille. Pour arriver. Et le bonhomme, au bout d'un moment, il est en train de rouler avec sa Jeep comme ça, sa Mercedes. Monsieur, il est fier. Quand tout le monde le regarde, il s'arrête au feu rouge. Il fait le fier comme ça. Et puis, il passe une idée en tête. Et ça, quand je bouge, il se fait un régal avec ça. Chez lui, il fait de temps en temps comme ça. C'est des petites secousses comme ça. Petites secousses. Et Tom, il se rappelle qu'il va mourir. Comme ça, tic. Qu'est-ce que ça fait? Déprime, madame, quoi. Il est dans la voiture, hein, tu vois rien. Tu vois rien. Bon, il a l'air normal. Il a l'air normal. Mais là, il en déprime. Il en déprime. Je sais qu'il arrive à sortir de ça. Pourquoi? Pourquoi ça me en déprime? C'est pourquoi ça me en déprime? Parce qu'il ne voit plus de sens à tout ça. Qu'est-ce que je fais avec cette voiture? Qu'est-ce que je fais avec cette maison? Pourquoi je travaille tellement? Pourquoi je m'investis autant? Mais où je vais aller comme ça? On va mourir! Et alors? Eh bien, tu prends rien avec toi! Il y a un papa comme ça en bouteille, il avait des enfants. Et au moment de mourir, il a laissé deux lettres. Il a dit à ses enfants comme ça: c'est ma tzara, c'est mon ordre. Première lettre, vous l'ouvrirez au début des Shiva. Et la deuxième lettre, à la fin des Shiva. Bon. Il a dit: bon, papa, il est mystique, il a laissé deux lettres. On va savoir qu'est-ce qu'il a. Première lettre, c'est au moment de l'enterrement. Tout au début. Dès que je suis mort, vous ouvrez la lettre. Ok? Il est mort. Alors il ouvre la lettre. Pour les amis, c'est héritage, gnanime. Il ouvre la lettre, c'est quoi là-bas? Premier ordre. Première, ça va, mes chers enfants. Je vous l'ordonne. C'est un ordre. Je vais être enterré avec mes chaussettes. On est mal barré là. Rien que ça, il a trouvé. Quel rêve-là qu'a dit j'avais accepté qu'on l'enterre avec les chaussettes? Interdit, c'est interdit d'enterrer comme on l'a avec les chaussettes. On ne peut pas. Bon, c'est la deuxième lettre. Chez Marahem. Bon, déjà, on l'a. Alors, qu'ils ont fait? Bon, comme il y avait des moyens, ils ont été voir la Rechave la Kadisha. Ils ont dit voilà, ne vous inquiétez pas, on paye. On paye ce qu'il faut. 10 000, 100 000, 1 million. Nos pères sont riches, nos épouses d'argent. On paye ce qu'il faut. Enterrez-le avec les chaussettes.
La Hivara Kadisha est en train de pousser des cris d'Albert. Quoi? Chenahed, c'est ma sereno! Barmenna! Je m'entends avec les chaussettes, l'air pipo! Il est en train de crier, mais c'est notre père, c'est pas notre père! Je t'en supplie, ça suffit pour une fois! Qui va savoir? Personne ne saura avec les chaussettes en bas! Mais les chaussettes, par pète comme! On mettra le linceul dessus, on verra rien! Et on se mettra tous contre les pieds comme ça, et on met dans la fente! Et on dit, tu chèques le sang par là-bas, on va prendre les chaussettes! Mabaya! Marpatecha! On n'enterre pas avec les chaussettes. Voilà. Maintenant qu'on a appris que vous voulez faire ça, on va publier tous les révélocats des gens. Il ne sera pas enterré avec les chaussettes. Il reste comme ça. Il était posé par terre comme ça. Et les enfants en train de crier, en train de devenir fous. Mais enterrez mon père, on enterre le pied des chaussettes, il fait des chaussettes. On n'enterre pas avec les chaussettes. Jusqu'à qu'ils ont vu qu'ils avaient pas le choix. Ils étaient devant un grand rave. Ils ont dit, c'est la rognée, ça va, mais elle m'a rassuré. On ne peut pas enterrer. Et comme c'est qu'à vous de mettre, on ne peut pas le laisser, donc il faut l'enterrer. Donc ils ont enlevé les chaussettes. Ils vont enterrer. Là, ils arrivent à la fin des Shivas, il faut ouvrir la deuxième lettre. Maintenant, ils ouvrent la deuxième lettre. Ils disent, vous voyez, je vous ai dit, même les chaussettes, on ne les laisse pas. Comme c'est le radis dans la deuxième lettre. Pour nous apprendre à Vodai. Que quoi? C'est la Mishnah qui nous apprend ça. Atabata mitipas rocha, v'atole rima v'toléa. Rachamim nous a expliqué, tant que tu es dans ta tête en train de croire que tu t'investis dans le olam hazeh, c'est ça qui va te déprimer. C'est ça qui va te donner l'impression, Shata Oved la chave. Shata amène la chave. Un homme qui ne sent pas un malar dans sa vie, un homme qui ne sent pas un malar bien équilibré, avec une matara claire, cet homme-là, tu auras beau mettre en place des technologies, tu auras beau mettre en place des films intéressants, des émissions comiques, avec des gars d'El Malais et des gens qui font des blagues à dormir du matin au soir, il n'y a pas. Le bonhomme, il va rigoler sur place, il va sortir encore plus déprimé qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça. Bolorlam, il se fait un malin plaisir. Tu as fini les blagues, tu sors de la salle, il lui rappelle la mort. Bolorlam, il se fait un malin plaisir. Toujours, il vient au bon moment. Rappelle la mort. À la vacance, on voudrait. Le ratan sous sa roupa. Normalement, il a dit, il doit mettre des cendres sous la tête, on voudrait. Pour se rappeler qu'il va mourir. Tu vas dire, attends, avec la bas tu as trouvé ça. Laisse-le, on va se réjouir. Il y a une histoire de Jérôme sur le trentaine à Kalanakon. Alors laisse leur passer une soirée, ils sont payés une blinde, comment ils puissent se réjouir? J'ai rien trouvé d'autre. À peine il reçoit la roupa, il lui met la somme sur la tête. Tiens, déjà, il le voit à la bouteille, il est monté comme une pièce montée. Le costume, le smoking, il est maquillé et tout, ils ont mis rouge à lèvres et tout à la bouteille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la somme, ils ont mis. Mais chimiquement, même le photographe, il dit, c'est pas attaché, il laisse tomber. Il a jeté son appareil photo. Il dit, voilà, je ne prends pas de photos, je vous fais gratuit, il n'y a rien du tout, je ne prends pas des photos pareilles, c'est du gâchis, c'est pas mon boulot, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas taille, tac, ton appareil photo, tiens ton mariage, va des trucs là, je ne prends pas un hat à mon photo avec un truc comme ça sur la tête, ça va, non? Pourquoi ils font ça les hatamés, vos taille? Parce qu'en vérité, la vraie simcha, elle est là-bas. Comme ça s'est passé dans l'Akmarin, que là-bas, dans l'Akmarin, il y avait Ravam Nouné qui était invité dans un mariage. Ravam Nouné chantait bien. C'était un haram. Mais il chantait bien, il avait une belle voix. Et ils ont dit, Rav Abouné, chante en l'honneur du Ratan, une belle chanson, qui va réjouir le Ratan et la Kala. Rav Abouné dit, je ne vous conseille pas. Alors, je dis, pourquoi tu ne conseilles pas? Alors, on te voit à la synagogue comment tu chantes. Tu fais des pioutines, des chants, la synagogue, tu nous fais une simra. C'est la synagogue, tu fais ça. Quand tu es devant le Ratan et la Kala, prends le micro, allez, chante. Bon, il n'y a pas le micro, mais c'est pas grave. Prends le truc et chante. Donc lui, il dit, bon, vous l'aurez voulu. Il s'est mis à chanter. Oilandemitna. Bon, allez, qu'ils ont déjà tués à tous. Qu'est-ce qu'il est en train de crier à Bouteille? On va mourir. Voilà le chant qu'il aura chanté. Avec des bons nigounis brûlés, mais on va mourir. Le stapeler, il demande. Mais c'est un sourd. Alors, c'est pas parce que toi, tu as envie de chanter ce chant-là que tu as le droit de gâcher la soirée du Ratanakala. Le Ratanakala, il veut leur simra. Alors, c'est pas le moment de parler de ça. On ne fait pas du moussard au moment de la roupa. Mon la roupa, c'est on oublie qu'on va mourir. On oublie qu'on va être enterré, on oublie, on va vivre éternellement, on sera toujours jeune, on va pas vieillir. Le Ratanakala, c'est le Chibanien, ils ont 90 ans, ils voient les photos de Ratanakala. Ah, et ouais, qu'est-ce que j'étais beau gosse. Et la vieille, elle dit, ah, qu'est-ce que j'étais belle. Elle ne dit pas sur l'autre, il est beau, il est beau, il le voit maintenant, il le voit là-bas. Et on s'oublie la bouteille. Mais le Tao, il est là. Le Tao, il dit le Stapeler, qu'à leur époque, ils étaient tellement rabotailles, tellement clairs dans leur tête par rapport à cette Mishnah. En fait, s'ils arrivaient à être des simcha en oubliant la mort à Bouteille, c'est que c'est pas une simcha. Il a fallu oublier la mort pour être des simcha, si mal que c'était pas une simcha. C'était du
maquillage. La vraie simra, c'est que tu te rappelles que tu vas mourir et tu arrives à tous les jours encore plus. C'est quoi le saut? Comment on peut trouver une formule comme ça, qui va être formule contraire à toute la société d'aujourd'hui, où je vais maintenant faire des pubs de mourir dans toutes les rues de Paris, ouais, et que je vais rendre les gens encore plus heureux qu'avant, il n'y aura plus besoin de psy. Ouais. Comment on fait une chose pareille? C'est quoi ce système? Comment un système comme ça peut exister en Rodaï? Pachou, les Chachamim te disent, quand tu te donnes une matara émet, la matara qui est quoi, Rabotai? Chanarnou, Chaim, les Chaya Olamaba. On se prépare pour l'Olamaba. On fait des misvot, on fait de la zaka, on étudie la Torah, on fait des nianim, Rabotai. Ça me donne l'interdit dans la vie. Je sais où je vais. C'est clair dans ma tête, Rabotai. Mais un homme qui oublie tout ça, qui arrête d'être mitbonen, un homme qui arrête de réfléchir dans sa tête, et qui aspire à la macon par l'Olamaze. Parce que dès que tu arrêtes de réfléchir, l'Olamaze t'aspire. Et quand l'Olamaze t'aspire, il t'aspire pour te donner 5 minutes de plaisir, ouais, et 3 heures de mauvais sang. 3 heures de mauvais sang. Alors que dans la Torah, Dosha, ouais, tu te donnes 5 minutes de souffrance. Parce que quand la tralot cachote, mais après, c'est Haïm Shel Tikva, c'est Haïm Shel Simra, une vie pleine, où je me sens plein. Quand un homme, il rebouteille, il passe une journée comme ça, où il aurait pu s'énerver avec sa femme, il ne s'est pas énervé. Combien il est heureux, combien il est bien dans sa peau. Alors que maintenant, il s'est énervé, l'ami. Il n'a pas pu se retenir, il s'est énervé. Il s'est énervé maintenant. Il sort de la maison, vous croyez qu'il est heureux? Il est malheureux. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai écrit comme ça? Et les enfants, ils ont regardé. Mais de quoi j'ai l'air? Maintenant, comment je vais leur expliquer comme ça? Et maintenant, il arrive, les enfants, ils ont le papa. Ils ont vu le papa, ils sont tout effrayés parce qu'ils sont traumatisés. Ils ont dit comme ça, 2 ans, 4 ans, Viens, mon petit. Que tu l'as raconté, moi, en comptant. Quand la mère, elle a brûlé la tête. Le chien, la brava, il s'est dit, c'est un scoubidou, le petit. C'est un scoubidou, il c'est un aigu. Tu as fait un aigu, moi, aigu. Tu sais ce qui se passe, Rabotai? À ta l'heure, on va dans la midot, tu le ras. Tu ne travailles pas sur tes midot, qu'est-ce qui se passe à cause de ça, Jalom? Tu tombes dans le chaos. La simra, c'est d'avoir su passer mes midot. Je monte dans le bus. L'autre, il veut bousculer, il veut bosser avant. Bravo. Il monte avant. Je me sens bien. Qu'est-ce que je me sens bien? Il veut prendre la place avant moi. Bravo. Qu'est-ce que je me sens bien? Si je commençais, non, je veux la place. Il lag. De quoi j'ai l'air? Je me sens pas bien après. Parce qu'il n'y a pas. Le retour du boomerang, Bravo, il se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une échelle à l'intérieur. La chama ne supporte pas ces trucs-là. Sur le moment, tu ne vois pas. Parce que sur le moment, tu ne vois que la matara que tu vas atteindre. Tu atteins ta matara. Après, là, la chama te fait du remords. C'est bien. Hein? Comme ça, on fait. C'est comme ça qu'on fait. Marron, il se balade toute la journée dans la rue. Là, il a maté toutes les filles du quartier. Il arrive le soir, chiour Moussa. Comme par hasard, pas jamais de hasard. Il fait un chiour sur chiour. Pourquoi il fait ça? Monsieur le rabbin, parlez d'autre chose, parlez de la chonara, toujours le même sujet. Il y en a pas ce sujet, changez de sujet. Demain il va parler de la chonara, si tu vas dire changer de sujet. Pourquoi? Parce que c'est toujours ton sujet. Rabbanout, ben c'est quoi les rabbanout? C'est les rabbins. Oui, mais c'est pas, je sais pas, c'est rabbanout, c'est pas tellement. C'est les rabbins, ça suffit. Allez, bon, alors c'est. Mais laisse-moi tranquille, allez, va attendre là. Et le bonhomme il a mangé. Alors, il pouvait pas, il a trop de tava. Donc il a mangé le truc. Mais là, qui a mangé le truc? La balloute, hein. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne peux pas me retenir. Parce que toujours comme ça, parce que la tava, c'est avant de manger. Et une fois que tu as mangé, tu n'as plus de tava. Et là, le céréal, il se remet en route. Le céréal, il attend quoi? Ben, il attend que le maboul y passe. Parce que tout le maboul y passe, il ne peut pas parler. Mais il a mis un vétro là. Le maboul, il passait. Le céréal, il se met en marche. Nous, tu es content, tu es fier dedans. Hein, c'est bien. Hein? C'est bien, d'accord. À quoi c'est ça tout ce que tu apprends? À quoi c'est ça tout ces michalotes et ce limon que tu fais? Si tu manges des chérines comme ça à ton verre debout. Parce que tu as bien maguette David là-bas, tu as mangé, c'est comme ça que tu fais. Ouais, en fait, tu fais ce que tu veux, en fait. Tu prends tout la rigole, comme tu as envie, quoi. Tu prends la chonara parce que c'est normal qu'on parle. Tu mens parce que normalement, tout est normal, en fait. Tout est normal quand tu as envie de faire comme ça. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que sur le moment, tu vois pas le problème. Mais après, coup, c'est l'attaque. Combien Rabotai et Rami nous ont éclairci en nous disant ça? D'où tu viens, où tu vas? Ils nous montrent le chemin, Rabotai. C'est-à-dire que y a pas, c'est pas qu'on veut te parler de religion, pas de religion, Rabotai. C'est pas juste, c'est de l'équilibre normal. Dans ce monde, si jamais tu t'investis pas sur la qualité, sur les midot, sur la Yirat Shamayim, tu pourras pas être heureux dans ce monde. Parce que ce monde n'est pas confectionné pour ça. Le monde n'a pas été créé pour ça. On veut le rendre comme ça, les goïms veulent le rendre comme ça. Mais il n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que tu peux pas trouver ton bonheur là-dedans.